malgré les critiques internationales et les abus de la communauté internationale à la Turquie. Mais les arrestations arbitraires et des abus continuent de chasser le journaliste de l'oublier sous la direction du président turc Erdogan. Depuis le coup d'État manqué 2006, le régime turc a ciblé ses opposants dans divers médias, ce qui a entraîné une diminution de la liberté d'opinion et une augmentation du nombre d'arrestations et du faible niveau de professionnalisme. Après qu'Erdogan empêche les médias de l'opposition de révéler de l'évolution de la scène turque. Le journaliste turc Yavuz Selim Demirik a été sévèrement battu devant son domicile, qu'elle a été victime d'abus généralisés commis par le régime turc. Bon, donc le journal turc Yunusag a révélé la violation subie de Demirag. On affirme que l'attaque perpétrée par 100 personnes après la division de journalistes turcs dans une émission de télévision confirme le rejet de la politique malveillante du président Erdogan. En selon Uko, cette politique avait conduit le peuple turc à l'abîme. Le magazine turc a souligné la position de Demirag. En selon Uko, elle avait été battue par l'inconnu, en raison de son opposition à la décision de la commission électorale d'annuler le résultat des élections municipales à Istanbul, conformément au souhait du président turc Erdogan, qu'elle avait refusé de reconnaître de la victoire de l'opposition turque. Cet incident réaffirme que Turquie vit l'un des cyber-étapes. Avec le régime dictatorial d'Erdogan, le tombe lorsque le gouvernement d'Erdogan cible le journaliste.